Les amis, c'est Supra 33911. On se retrouve sur Ghost Recon Breakpoint avec Baki ici présent. Comment tu vas, Baki? Très bien, et toi? Ah ben moi je vais bien. J'ai mon œil qui me gratte, mais je vais bien. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mon petit Baki, aujourd'hui? Hein? Bon, je sais pas, pourquoi pas faire quelques missions ou badrouiller? Bon, on va aller se balader un petit peu, puis si on fait une émission en même temps, c'est cool, puis si on en fait pas, c'est pas grave, hein. Tu vois ce que je veux dire? Attends, on va prendre un véhicule, on va prendre un véhicule, on va prendre ce véhicule. Allez, on est parti. T'as récupéré ce que t'avais à faire, t'as fait ce que t'avais à faire, non? C'est bon? T'as rien à faire, t'as rien à récupérer? Non, t'as à remettre en véhicule, moi. Si je l'enlevais, ça en fait pas. Attends, laisse-moi juste refaire du C4 parce que je vais en avoir besoin. Je vais aller juste jeter un coup d'œil, vite fait. Putain, casse-couille. Vite fait, voir s'il y a de nouvelles armes. Mais bon, vu qu'il n'y a pas eu de mise à jour, je pense pas qu'il y ait des nouvelles armes. Boutique. Boutique, 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 boutique. Dans la boutique. Jamais écouté le bruit qu'il y a dans le jeu. T'entends les oiseaux chanter? Non, je les entends pas. Pour le moment, j'entends des crapauds, mais. C'est vrai que, et dans ce jeu, n'empêche, c'est le seul jeu où tu te fais de la masse de pognon en 2-2, sans déconner. Oui. Mais bon, vu qu'il y a eu des pleureuses qui ont été pleurées, ah, il y a les niveaux des mobs, c'est trop dur, hein, patati, patata. Vous faites chier. Voilà. Voilà ma réponse. Moi, ça, ça te dit. Bon, c'est clair. Attends. Je vais pas cacher ce que j'ai à dire, sans déconner, ça sert à rien. Tant mieux vaut dire ce qu'il faut et point barre. Celui qui est pourtant content, il est pas content, hein, et oh. Va pas me casser les couilles. Hein? Bon. Alors. Tiens, regarde ce que j'ai comme véhicule. Oui, oui, je l'ai aussi, celui-là. Eh, amène-moi, président. Président. Au revoir, président. Je sais où on va essayer d'aller. Faites pas chier. Je reviens. Véhicule, Baki! Non, c'est pas ça que je voulais faire, enfin. J'ai foutu tout à côté, mais c'est pas grave. Alors! Oups! Ça y est, fini? J'ai tué un civil. Il avait qu'à pas être là. Non, on s'entend plus penser sans déconner quand tu tires au minigun. Faites pas chier ou je vous tire dessus. Attends. On va essayer de faire un truc. Pam palabam, pam pam palabam, pam. Fais gaffe au civil. Tan 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 tan. Toum toum toum. Ok, déjà.
déjà lui coucher. Et merde. On se calme. Tu me suis? Toi tu fermes ta gueule. Toi tu dors. Toi pareil. Coucou. Qu'est-ce que t'as fait pour faire repérer comme ça? Rien. Mais tu me fais chier. Allez, coup de boule. Voilà. Couché. Bon. C'est nettoyé. Non. Tu cours trop vite, Becky. Attends-moi. Du quoi je cours trop vite? Ah, pour son petit cul. Un cul, elle a un cul celle-là, je te jure. J'y mettrais bien ma... Je dirais pas la fin de ma phrase, mais... Je pense que vous avez... J'y pensais ce que j'ai pensé. Tout ce qu'on... Voilà. Non mais... C'est vrai que... À peu près tout ce qu'on pensait, ce qu'il pensait. Voilà. C'est vrai que t'as des personnages... C'est pas forcément bien pour les enfants. Moi j'en ai rien à secouer des enfants. Attends. C'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans. Donc ils ont rien à foutre sur ma chaîne. C'est clair, net, précis. C'est pas fait pour les enfants ce genre de jeu. Parce que quand tu vois des gosses de 9-10 ans jouer à GTA, sans déconner, moi à 9-10 ans je joue à Pokémon. Je jouais pas. Ah si, je crois que je joue à GTA sans, Vice City, je crois. Et après j'ai acheté San Andreas. Mais bon, c'était pas comme comme GTA 5 où tu vois des nénés partout. Je sais pas quoi dire, d'accord? C'est vrai que GTA 5 niveau nichon, t'es t'es sûr de voir des nibards. Bon, tu branles quoi? Illico, je sais où on va aller. Qui m'a envoyé un message? Tiens, on va ici. Oh la vache, il s'est pété la gueule ce con. Moi? Mais je vais très bien, voyons. Non, non, tu vas pas bien. Je vais très bien, je te dis. J'ai toujours eu un faible pour les rookies, je sais pas pourquoi. T'as des... Hey, franchement, il y a des rousses et des rookies, il y en a, elles sont magnifiques. Hein. Non? Oui, bah... Je le sais très bien qu'il y a des rookies magnifiques. Et il y en a... Mais il n'y a pas que les rookies. Ah, il y a des blondes aussi qui sont magnifiques. Hein. Et des brunes oui, aussi. Comme des brunes. Des... Allez, tu passes devant, je te suis. Oh putain, sans déconner. Par contre, je veux pas dire, mais il y a le canon du Barrett 50 qui te passe à travers la fesse. Ah putain. Ah ouais, non, mais tu verras. Ah, vous le voyez, le pervers. Mais je ne suis pas pervers. C'est juste que j'ai vu un petit bug. Tic ta mère. Ta gueule. Oh merde. Baki.
camouflage. Non, non. Mais c'est pas possible. Et qui me tire dessus? Mais ta mère toi. Tu vas morfler. Ta gueule toi. Je crois qu'on a un poil grillé. Grenade. Putain la rouquine, casse toi. Grenade flash. C'est des filles jeunes qu'ils auraient dû nous coller dans Ghost. Dans Breakpoint je parle. Dans l'autre sens, tête de bite. On charge. Mais qui, je crois qu'on tire dessus. Par contre, il y a un truc qui me fait rire dans Ghost. T'es d'accord que tu peux te camoufler dans la gadoue et tout ça? Ouais. Tes armes sont sales. Mais ton personnage, lui, reste tout propre. Non, ça dépend. Bah, excuse-moi, mais là, mon perso, il est propre. Hein. Bah, en même temps, il n'est pas resté très très longtemps non plus. Hein. J'ai rien fait. Moteur. Si si, j'ai rien fait, je te jure, j'ai rien fait. La mine, elle a explosé toute seule. J'ai rien fait, moi. Bon, ok, j'ai juste un petit peu tiré dedans, mais un petit peu. Oh l'enculé. T'as tiré avec quoi? La vacherie. Voilà, je suis propre, ça y est. Ça pris... Mais arrête de me tirer dessus, je suis pas un ennemi, je suis ton ami. Ah. Hey, tu dois voir les godasses qui doivent faire quand tu dois marcher. Oui, ici là, oui, là, là, oui. Ça doit être horrible. Mais je te raconte pas le pantalon et le calbut. Ça va être trempe. Oh non non non. J'aurais pu dire du calbut, t'aurais pu nous le. Ah non mais tu dois être. Là sans déconner, tu dois être trempe jusqu'aux os. Ça me rappelle une connerie que j'avais vue à la télé, un dessin animé, mais c'était vieux, le mec il était tombé à la flotte en fait et il s'est retrouvé avec un poisson dans son t-shirt. Ah oui. C'était drôle. Ah, on a des wolves. Bah ils vont faire boum. Ça va, ils sont morts. Et on va pas les pleurer les wolves sans déconner. Ah, y'a copain Harry qui arrive. Petit copain Harry, il est de retour.
Qu'est-ce qui peut nous casser les couilles, ce putain de drone? Putain, sans décoller. Mais attends, techniquement, la base des Wolves où est lancée Azrael. T'es d'accord avec moi que... qu'on a neutralisé tout le monde, donc il devrait plus y être, il devrait plus envoyer de drones. Normalement. Mais c'est complètement débile. Enfin, la logique de jeu, elle est débile. C'est vrai qu'elle a un joli cul. Bon, hey, oh, 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 ça va, oui. Je parle de la rouquine, je parle pas de toi. Welcome. Neutralisé. Faites gaffe, y'en a un autre. Ricky, fais gaffe, y'en a un autre là-bas. Ok. Raté. De toute façon, là, y a pas grand chose, quoi. À part des bunkers. Hein. Ah, et puis on est dans le bayou de toute façon. Dans le bayou, il y a jamais grand chose. On est dans un bunker où on a les pieds dans le, sans déconner. Oh, c'est des pires. Touché. Oh. Mais moi là, je fais ça, mais le. Une semaine après, j'ai la crève. Hein. Je suis en PLS au fond de mon plumard. Hein. Becky. Ouais. Illico. Par contre, le pantalon ultra moulant. On va aller là-bas. D'accord. Sur ma droite. Sur ma gauche plutôt. Oh, qu'est-ce que tu peux être roulou sans déconner. Super, on fait le débarquement. Yeah, demain. Demain, ça y est. On est le. Attends, on est le quoi? On est le 5 aujourd'hui. Ouais. Ben demain non, matin, 4. Attends, quelle heure il est? Il est 22h à l'heure actuelle. Ouais, il est 22h47. Demain matin à 3h, c'était le débarquement. Hein. T'imagines? 60, 75, 76 ans, 77 ans? Il a eu lieu le débarquement? Qui veut réparer, il verrait pas. Là, il y a une caisse. Vas-y, crache-moi dessus, je te dis rien, connasse. Oula. Ah, il y a quelqu'un qui a fait du poker ici. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo, les amis, vous aura plu. Faut que je parte d'ici. Hey. Bonjour. Ta gueule. Je compte pas vous faire de mal. J'espère que vous pouvez m'aider. Je vous ai dit tout ce qui me venait à l'esprit. C'est très gentil. À un de ces jours. Ah, par contre, elle a une voix douce, elle. C'est moi, y'en a un qui vient de crever à cause d'une maladie ou je ne sais quoi. Non, c'est moi qui lui ai mis une cartouche. Elle avait le coronavirus. Bien évidemment. Il va te faire foutre. Ah putain, je sais pas si t'as eu la même vue que moi. De quoi? Tiré depuis tes couilles.
T'avais posé le petit gun, il y avait tes couilles, il était en train de tirer. Voilà. Attends. Bon, j'espère que cette petite vidéo, les amis, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.